Frenchy YouTuber. Salut tout le monde, ici Draki. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Fight the Dragon. C'est la Steam Sale en ce moment, donc il y a beaucoup de rabais intéressants. C'est sûr que pour un gars comme moi qui a beaucoup de jeux, genre 400 et plus sur Steam, c'est un peu moins intéressant là. Il y a moins de rabais à mes yeux que quelqu'un qui a peut-être 40 jeux là. Mais en même temps, Steam, cette année, je trouve que c'est vraiment pas pareil. Les prix là sont vraiment plus hauts qu'en 2012 là, qu'on avait vu une sale qui était tellement magnifique là. On dirait que tout ce qu'on voulait était à 85% de rabais quasiment là. Mais c'est pas grave. Il y a quand même des petits jeux comment on appelle ça? Des joyaux cachés? Ouais, on va appeler ça des joyaux cachés, puisqu'en anglais c'est Hidden Gems. Donc ici on a un joyau caché qui s'appelle Fight the Dragon. Je vais vous présenter ça, on va faire Start. Donc moi j'avais déjà créé un personnage. Donc je vais le reprendre. Je vais pas montrer le jeu à partir du début avec les petits tutoriaux là. Donc je vais commencer à partir de level 2, c'est quand même pas trop loin. Donc voici mon petit personnage Draki avec les cheveux punk. C'est un dungeon crawler, c'est-à-dire on se promène dans des donjons, puis on explore, et puis on grind du gear. C'est pour le monde qui aime les jeux hack and slash, puis qui aime grinder du gear pour améliorer son personnage de plus en plus. C'est un petit jeu indépendant, de toute évidence, mais vraiment, vraiment bien fait. Premièrement, je vais baisser la musique. Salut, mon personnage vous dit salut, mais je suis pas dans le bon menu. Je vais reculer ici pour aller dans Audio Settings. En passant dans les options, ils ont vraiment pensé à tout. Les développeurs, là, dans ce petit jeu-là, là, ils ont vraiment, vraiment pensé à tout, là. C'est génial. Il y a même une fonction. Me semble que c'était dans graphique. Ah oui, on peut grandir ou réduire le UI, dans le fond, l'interface utilisateur. Très pratique si tu veux jouer sur ton divan de loin, là, tu mets ça en gros comme ça. En fait, je vais le laisser en gros comme ça parce que je suis un peu loin en ce moment. J'étais avec ma manette Xbox 360. Puis, ben, je m'amuse de loin avec mon écran qui est une TV, en fait, 32 pouces. Donc, oui, toutes les options sont là. C'est vraiment spécial. C'est pas spécial, je voulais dire. C'est vraiment génial. Désolé. On peut vraiment tout faire ce qu'on veut dans les options. On peut resetter notre partie, notre monde, notre personnage. Donc, recommencer à zéro tout simplement, comme si on n'avait jamais joué. Il faut faire attention avec ces options-là. Il faut être certain de ce qu'on fait. Donc, ce jeu-là, je vais vous montrer simplement les fonctions qu'on peut faire. Donc, on peut customiser notre character, qui est quand même assez simple. Donc on a ici des habits, probablement qu'on en trouve plus dans le jeu, je ne suis pas certain, mais on peut changer notre peignure aussi, là, puis la face. Donc je vais vous le dire, mais dans le workshop, parce que ce jeu-là est compatible workshop, je sais pas si vous le voyez en ce moment, mais on peut choisir vraiment là des items créés par la communauté tout simplement, des faces. Des armures, qu'est-ce qu'on peut choisir aussi? Ah oui, je reviens en arrière. On peut choisir des aventures au complet. C'est juste ici. Créer et partager des aventures. Donc, il y a un outil qui vient avec ce jeu-là pour créer des aventures au complet. Là, des donjons avec des traps, des triggers que tu peux starter en pesant sur telle plaque. Il y a des monstres qui sortent de telle place, mettons. Donc, c'est vraiment génial. Là. C'est vraiment géré par la communauté, là, le contenu. Là. Puis, il y a beaucoup de contenu. Je pense que j'ai vu en quelque part, je m'en rappelle plus où exactement, mais 7000 quelques maps à faire, donc ça fait de l'aventure ça monsieur. Donc ici, si on va dans le Loot Shrine que ça s'appelle, on peut bouger la caméra avec la souris ou la manette Xbox 360. Le Loot Shrine c'est tout simplement des items qu'on veut pas, qu'on sait qu'on va pas se servir, c'est du trash pour nous autres.
Ben, on va le donner au shrine. Donc, je vais faire, mettons, je vais donner cette épée-là. Je vais donner celle-là. En fait, je vais toutes donner mes épées. Parce que moi, j'ai une autre arme qu'une épée. Je vais donner ça, ça, ça et ça. Puis, en échange, le Loot Shrine te donne quelque chose au hasard. Donc, moi j'appelle ça une toilette magique, là. Donc, tu pitches des affaires dedans, puis magiquement, ça te redonne quelque chose. Mais c'est pas tout le temps bon, là. Donc, on va essayer quelque chose. Comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, on va prier. Il faut prier pour recevoir notre récompense. Let's go. Alright, il nous a donné une Frost Staff, qui est quand même cool. J'en ai même pas encore de staff, parce que mon personnage, c'est un genre de mage, magicien de feu. Fire Lord, en fait. La classe, il y a 4 classes. Puis, c'est ça, j'avais pas encore de staff. Ici, il y a une Wand, puis ici, il y a des potions de stamina. Donc, moi, je vais prendre la staff de toute évidence. Alright. Je vais l'ajouter à mon inventaire. Donc, je vais aller voir mon inventaire ici. Je vais changer mon arme pour la super staff qui fait 7-15 de dégâts. Je peux pas l'équiper parce que je manque de points de défense. Oh non! Il me manque un point de défense. Mais j'ai un level up à faire. Donc, je vais aller en haut ici. J'ai un level up à faire. Il me manque un point de défense. Mais je vais le mettre ici. Donc là, j'ai 2 points de défense. Je peux équiper ma super staff. Let's go. Alright. On peut regarder notre personnage en le tournant un peu. Donc c'est ça, il y a 4 classes. Un genre de fighter. Un fire lord, comme lui, qui pitche du feu. Un genre de ice lord. Je me rappelle plus du nom, mais il y a de l'air plus orienté vers la glace, le froid, quelque chose du genre. Puis il y a un autre classe qui est carrément là, le ranged attack, là, le gars qui utilise l'épée, excusez, l'arc et puis l'arbalète. Donc c'est pas mal ça. Ici on a un dragon qui s'appelle le Dragon Arena. J'y ai jamais été et je n'irai pas. C'est une place où on essaye de battre le dragon. Puis si on arrive à le battre, il nous donne du loot vraiment intéressant. Puis en même temps, c'est une mesure pour dire où est-ce qu'on en est rendu dans le jeu. Est-ce qu'on est rendu meilleur? Est-ce qu'on s'est amélioré? Là, etc. Donc c'est pas mal un grand défi là, à venir voir une fois de temps en temps, voir si on est vraiment rendu meilleur. Donc ici, il y a une fonction multiplayer. Mais en ce moment, il n'y a personne. J'ai essayé de trouver un party, dans le fond un groupe. Pour jouer. Un party est composé de 4 personnes, mais j'ai trouvé personne parce que la communauté de ce jeu est quand même assez basse. Mais le jeu est coop quand même. Donc on peut inviter un ami là, qui s'achète une copie du jeu puis jouer en coop ou avec 3 autres amis. Donc le party, le groupe peut être de 4 maximum. Ici il y a une petite fonction là, qui démontre ceux-là qui je pense qui ont donné, fait des donations au jeu. Parce que c'était quand même un jeu qui a été crowdfundé. Là, mais je n'irai pas plus en détail que ça parce que j'ai pas plus d'informations. Puis la grosse viande du jeu, là, c'est ici. On part nos aventures. En passant, ce jeu-là, vu que c'est la communauté qui crée des maps, ben on peut essayer toutes les maps que le monde a créées et qui ont mis accessibles en ligne. Là. Donc ici, add random. Écoutez, je vais en faire une random. Probablement que ça va être encore le tutoriel. La suite du tutoriel, mais ça va vous montrer c'est quoi le jeu, enfin. Vous allez me voir jouer. Donc la difficulté est difficile. Une description de l'aventure un peu. Les statistiques qu'on va recevoir. Donc, vu que c'est dur, ben... On va se faire au nez, là, probablement qu'on va mourir. Donc, en plus, la première fois que j'attaque avec ça, on va s'habituer un peu. Alright. Donc, le jeu est assez simple.
On se promène, puis on fait du hack and slash avec ce qu'on rencontre. Wow, je suis pas habitué avec ça par exemple. J'ai fait un level up, je vais le faire après d'avoir su ce rat. Comme ça ici. Je vais mettre... écoutez. Encore de la défense là. Ouais, je vais y aller avec encore de la défense. Et voilà, c'est fait. On a une attaque normale, comme ça. Une attaque heavy attack, une attaque forte, comme ça. Donc chaque classe a sa propre animation et propre attaque qui fit avec sa classe. Quand on a du loot, c'est tout simplement peser sur X pour ramasser le loot. Puis on peut aller voir là si c'est meilleur. Si c'est meilleur, ben on peut l'équiper tout simplement en faisant ça. Mais moi, j'utilise pas d'armes comme ça. Je veux rester avec ma staff. Puis l'aventure est simplement comme un bon hack and slash qu'on découvre le donjon. Ouais, c'est plus dur que ce que j'avais essayé dans le tutoriel. Mais c'est quand même bien, là. On va survivre. Alright. On a trouvé des gants. Je pense qu'ils sont meilleurs que les miens parce que moi, ça fait longtemps que je voulais changer de gants. Les gants du début, là, je les aimais pas. Ah ben oui, 11 de protection. Donc, c'est pas mal mieux. On a des beaux petits gants neufs. Puis, pour se healer, ben, on trouve des potions. Soit... en tuant des monstres ou en ouvrant des coffres, comme ici. J'ai trouvé une sword qui a l'air quand même bonne, mais je vais probablement la donner à la shrine là, dans ma magic toilette, comme on dit. Les rats sont tough. Alright. Un petit peu d'argent. Donc c'est assez simple, quand on pèse, moi faut que je pèse sur le right bumper. Puis ça me donne accès à des spéciales attaques en bas à gauche. Donc A, B, X ou Y va faire un attaque. Comme A va faire cette attaque-là. Bang! Vu que je suis un Fire Lord, ben c'est une attaque spéciale de feu. Je sais pas comment poigner d'autres attaques, probablement en levelant son character, simplement. J'imagine qu'il y a plus d'action quand on est avec une épée, là. À distance, c'est un peu plus facile. Mais moi, j'ai toujours joué des mages là, dans les jeux. Donc, voilà, c'était... Non, c'est pas la fin, désolé. Je pensais que c'était la fin. Ça, c'est un... Si je me rappelle bien, c'est un checkpoint, c'est ça. Donc, certains tableaux, quand tu passes sur un checkpoint, vont te donner du life, puis une vie. Mais les tableaux classés difficiles te donneront juste rien, juste un save, juste un checkpoint sans donner rien d'autre. Il y a des NPC qu'on peut interagir avec qui nous donnent des petites discussions à faire. Donc, to unlock the next gate, you will need to climb and grab two barrels and place them on the pressure plates in front of the gate. So, il nous aide un peu, c'est un peu tutoriel. Et lui, il est gros. Oh! On va y faire un sort de Fire Lord. On peut roller aussi pour éviter les coups, comme ça. Mais ça prend de l'endurance. On peut aussi courir qui prend de l'endurance. Donc, à ne pas abuser quand même, mais à utiliser. Go away! Hey, ça les assomme tout ça quand je fais ça. Ah, j'ai plus de mana. J'ai même pas de potion. Donc, on va courir un peu. On va utiliser notre range. Crève! Alright! Qu'est-ce qu'on a là? Sturdy Sword. Ça a l'air quand même assez bon, mais... j'ai de la misère à viser avec cette arme-là. Ok, faut que je prenne le barrel, je l'amène... Je pense qu'il y avait deux plaques en haut qui disaient... Oh non, ici! Alright! Oh mon dieu, il y a dormi du monde. Mais il y a un petit genre d'AOE sur mon attaque avec la staff, c'est quand même cool. Donc on peut monter à certains endroits de 1 cube de haut si je me trompe pas, ou un demi-cube. Un demi-cube.
Mais je pense qu'ils montent sur les 1 cube de haut aussi. Je vais emmener tout le monde dans le même tas là pour que mon AOE soit plus efficace. On va courir. Comme ça. Là j'ai pas de potion. Fait que... C'est pour ça que je cours comme un gars qui a peur de tout. Si ça va mal, je peux pas me guérir. Fait qu'on va monter ici. Je sais pas si eux autres peuvent monter. Plus ou moins. On va prendre ce qu'il y a dans le coffre. Peut-être qu'il va y avoir des potions. Oh yeah! Donc... on va sauter en bas. Puis on va continuer à se battre. Avec un peu plus de vie. On va ramasser nos sous. D'autres gants, mais je pense pas qu'ils sont meilleurs. Donc, ah, il y a un loot là-bas. Alright, où est-ce qu'il est l'autre baril? Il est ici. Il y a encore plein de monstres, hein? Ben oui. Alright. On va se débrouiller comme ça. On peut tenir le bouton et ça tire tout seul. Donc, c'est vraiment un hack and slash assez simple. En fait, le combat, tout est simple dans le jeu, là. Mais c'est vraiment bien fait, là. C'est bourré de contenu puis d'aventures différentes, là. C'est ça qui fait que c'est intéressant. On va amener ça. Je pense qu'il y a un bug ici. C'est moi qui pesais trop de fois en même temps. Donc on va mettre ça ici pour ouvrir la porte. Et voilà. C'est un... Oups, j'ai raté ma chute. C'est un petit mini puzzle. Donc ce jeu-là contient des puzzles. Évidemment, plus compliqués que ça plus tard. On vient de saver, je pense que ça me donne du life. Ouais, ça m'a redonné du life quand même. Ouais, mon life a monté un peu, donc a monté. Donc, on va aller ici. Ça se contrôle vraiment bien en passant, là. Les contrôles sont intuitifs. En tout cas, avec la manette Xbox 360, rien à dire, c'est génial. Oh, il est gros, lui. Deux gros. De 21 HP. On va faire... l'attaque de Fire Lord. C'est vraiment simple comme jeu. Moi j'aime ça les jeux simples. Qui se cassent pas la tête là. Plein de loot. Surtout les jeux avec du loot. J'adore le loot. Augmenter son bonhomme. Des fois il y a des petits endroits cachés là où il y a un coffre. Donc ça vaut la peine de fouiller dans chaque petit recoin dans ce jeu là. Donc on arrive ici. Avec des chests. Puis du stock. Merci beaucoup. De l'argent. Puis là, il y a des ennemis. Je peux pas les pogner. Il faut vraiment que je descende en bas. Alright. Faudrait vraiment que je check si j'avais. Si j'ai pas du loot. Oh boy! Si j'ai pas du loot meilleur, je vais aller voir ça en savant. Comme ça. Les gants, est-ce que j'ai des meilleurs gants? Là, j'ai des protections de 11. Non, j'ai pas rien de mieux. Côté shield, j'en ai juste un. Quand t'as rien d'autre, ça va pas dans l'inventaire, tout court. Alright. J'ai juste des épées. Pas de staff. Rien. Donc j'ai été chanceux de pogner une staff dans la toilette magique. Oh, 46 HP. On foncera pas trop dans le tas quand même. Ça c'est fait. Je suis sûr qu'il y a un petit coffre ici. Oh! Smoke, il y avait une trappe. Il y a quelqu'un qui me tire. Oh! Oh my god! No!
J'ai besoin de potions, moi. Je suis coincé ici. Le loot est allé l'autre côté du coffre. Est-ce qu'on prend notre hilt? Non. On va être patient. Ouch. Faut vraiment que je me débarrasse d'eux. Ouch. Oh non, non, c'est trop dur. J'ai pris ma potion, là. Gaspillage. En fait, on va changer de... Je sais pas si on peut, pendant le combat, utiliser une épée. Puis un shield. Oh! On va se protéger des flèches avec notre shield. Ouch! Non, moi je reviens ici. On peut pas avoir de life nulle part. Donc ils nous suivent, hein, ils font pas semblant. Vous allez me suivre longtemps, ça, vous allez voir que je suis tenace. Ah, il s'est téléporté. What the hell? Oh my god. Je peux même pas me healer. Let's go. Ah oui, il me restait des potions. Bon, on va le tuer, lui. Alright. Ce qui est l'autre, là? Il est... Ah, il... Ici, il m'attendait dans le coin. Salaud. Bon, ben... Un Fire Lord qui s'en est sorti avec un bouclier puis une épée. Ça peut arriver, ça peut arriver. On va revenir à... qu'on était, il reste encore plein de monde. Et là, on sait qu'on peut quand même les tuer assez vite. Surtout lui. Oh. Là, j'ai plus de potions. Oh boy. Je suis tombé là-bas. Fait que vous voyez la difficulté de ce jeu-là. Quand même, pas pire. Aïe, 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 arrête de le rater, là. Oh god. Mon life remonte, je sais pas pourquoi, une fois de temps en temps. Merci de remonter tout seul. Là, il y a... Attends un peu, là. Il vient pas me dire qu'il y a plein de squelettes partout. Aïe, Ils sont pas payés pour se sauver. No! Roll! Roll! Oh ben là, j'ai toute l'armée après moi. Alright. Je pense qu'on est expérimenté. Dans les jeux vidéo en général. Roll! Alright, c'est pas si pire. Je commence à m'habituer au contrôle, au jeu, puis en fait, tout en général. Là. Donc, la difficulté est correcte, là. Oh, il y a quelqu'un. J'ai entendu une... Non, c'était un coffre. J'hallucine du monde. Oh, ben non, il y a du monde. Ah! Je sais pas si je peux utiliser ce sort-là. Tiens, ça n'a pas été trop difficile. Je pense qu'il restait un ennemi ici. Ça va me faire plaisir de t'achever. Et voilà. J'ai terminé le donjon. Il semblait aussi que c'était la fin, là. Parce que ça s'en venait difficile. On va regarder, des fois, il y a des coffres cachés à la fin. On s'en va.
Donc on termine l'aventure. Ça nous donne un Dragon Scroll qui nous permet d'aller voir le dragon que je vous ai montré tantôt. Puis du gold qu'on peut mettre dans la shrine, moi que j'appelle la toilette magique. Avec, on peut mettre du gear qu'on ne sert pas pour échanger, avoir une chance d'avoir du gear qui est meilleur que le nôtre. Donc c'est un jeu d'hasard un peu. La shrine, shrine loot. On va l'utiliser une dernière fois avant de finir cette vidéo. Parce que j'ai vraiment beaucoup de n'importe quoi. En fait, j'ai tellement de choses que je pense que j'ai du nouveau stock. Même pas. J'ai pas des meilleurs gants. Eh ben, je vais équiper ma staff. Comme ça. Puis on va tout vendre le reste. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donate. Move to stash. Comme ça. Alright. Puis là, on fait donate. Je me rappelle plus comment qu'on fait. Oh my god. Comme ça. C'est beau. Donc, plus que tu donnes de choses, plus que ta récompense est classée dans des tiers plus élevés, comme bronze, silver, gold ou platinum. Donc j'imagine à platinum, tu reçois une récompense vraiment haute, là. Puis si tu donnes juste un petit peu d'affaires, ben tu vas te ramasser avec une récompense plus ou moins bonne dans bronze, là. Je vais donner du gold même. Je viens de donner 300 gold. Ça m'a même pas amené dans le platinum. Donc je viens de perdre mon gold, j'imagine. Anyway, on va faire une prière, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous a donné des bottes extraordinaires. Un club extraordinaire. Puis encore des potions de plus 5 stamina. Je vais prendre les bottes. On l'a pas pire. On va mettre ça dans notre inventaire. Est-ce qu'on peut les équiper? Ça prend 3 points de luck. Donc on pourra pas les mettre tout de suite. En fait, moi si je meurs, est-ce que je perds mes affaires dans mon inventaire? Ça m'est pas encore arrivé. Donc pour être sûr, je vais bouger les bottes ici, dans mon loot stash. Donc c'est un genre de coffre safe là. Puis c'est pas mal ça. Pour le jeu Fight the Dragon, là, y a des aventures à l'infini qui débloquent. On peut voir là, que ça peut reculer là, à l'infini. Chaque carré est une aventure en fait. Donc il manque pas de contenu pour ce petit jeu-là. En ce moment, il est en rabais sur Steam, dans la vente Steam, à 3 pièces et quelques. Ça a été un très bon achat, je crois. Je vais vous laisser là-dessus, c'était Draki, on se revoit dans d'autres aventures. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ben achetez ça, ce petit jeu-là, c'est merveilleux, c'est super bien fait. Encouragez les développeurs qui font des bons petits jeux. On se revoit, au revoir, faites attention à vous autres. Ciao! The Frenchy YouTuber!